Alors, tu viens toujours demain? Tu sais que c'est mon anniversaire. Je pensais qu'on pourrait regarder un film. Je devrais pouvoir. Je verrai ce que pense Daniel. Stacy, tu devrais pas avoir besoin de la permission de ton petit ami. Hé, bébé. Nous parlions justement de toi. À plus tard, Adam. Oh, vraiment? Pas de câlin? Ouais. Pas de câlin? Ça veut dire quoi, ça? Détends-toi, tu sais qu'Adam est mon meilleur ami. Supplément d'Inde pour toi et cela pour moi. Merci, chérie. Alors, demain soir, je pensais qu'on pourrait aller au cinéma. En fait, tu penses que c'est ok si... Pourquoi Adam a-t-il posté une photo de vous deux sur Instagram? Quoi? Il l'a fait? Oui, et pourquoi a-t-il mis des cœurs dans la légende? Écoute, Adam et moi sommes juste des amis. Je te promets que tu n'as pas à t'inquiéter. Il ne veut pas être juste un ami. Tu ne comprends pas comment les gars pensent. Pas encore cette histoire, Daniel. Hé, tout va bien? Oui, je vais bien. Eh bien, tu viens ici? Tu n'as pas été gentil envers moi toute la journée. Viens par ici. Pourquoi Adam t'appelle si tard? Je pense qu'il veut savoir si je vais bien chez lui demain pour son anniversaire. Il veut regarder un film. Quoi? Absolument pas, Stacy. Je ne laisserai pas ma copine être chez un mec demain soir. Ce n'est pas qu'un mec, c'est mon meilleur ami. Adam est hétéro et je suis sûr qu'il a des sentiments pour toi. Quand toi et moi, on aura des problèmes, tu vas aller chez qui? Adam? Et devine ce qu'il va essayer de faire. Flirter avec toi. Ce n'est pas ça, Daniel. Ah oui? Tu veux parier? Qu'est-ce que tu veux dire? Voici ce que je veux que tu fasses. Demain soir, tu te rendras chez lui et tu diras que c'est fini entre nous. Puis il a rompu avec moi. Oh mon Dieu! Je peux pas croire qu'il ait fait ça. Je sais! J'ai essayé de lui dire que toi et moi, nous ne sommes que des amis. Quel crétin. Sérieusement, tu mérites tellement mieux que lui. Viens ici. Hé. Écoute-moi. Tu as vraiment besoin de quelqu'un qui te traite beaucoup mieux que ça, Stacy. Quelqu'un comme moi. Adam! Qu'est-ce que tu fais, voyons? Nous sommes juste amis! Stacy, je peux plus garder ça secret. La vérité, c'est que j'ai des sentiments pour toi. J'attendais juste la rupture avec Daniel pour que je puisse te le dire. Waouh! Daniel m'a dit que c'est ce qui arriverait. Je suis désolée, mais je ne peux plus être amie avec toi. Alors, comment ça s'est passé? Je ne peux pas le croire. Tu avais raison. Il a fait exactement ce que tu as dit qu'il allait faire. Tu vois? Je sais. Je lui ai dit qu'on ne pouvait plus être amis. J'aurais dû t'écouter plus tôt. Je suis vraiment désolée. C'est bon. Tu savais pas. Je t'aime beaucoup, tu sais. Je t'aime aussi. On y va ?